En 1987 commence l'ère du groupe A. La course compte à nouveau pour le championnat européen, mais ce sera un feu de paille qui ne durera qu'une année. En 1988, elle sert d'épreuve au championnat italien. Elle se dispute en automne et on assiste au duel entre Remo Celesia et le pilote officiel de Peugeot, Andrea Agini. C'est une lutte inégale. Delta privé pour le Valdôtain, 309 presque de série pour le Toscan. Celesia lutte comme un lion et remporte pour la seconde fois le Valais d'Aoste. Il le fait en équipe avec Giorgio Frassi et Ettore Viérin, son vieux navigateur en qualité d'organisateur. C'est un triomphe. Le immagini più belle che tu riesci a conservare di questa bella impresa? Ma sai, ci sono un po' di valori così affettivi. Il Valdostano che mi aspetta su Bresson con il bicchiere di vino rosso, questi valori che per me hanno... Grande festa questa sera. Spero di sì, sono anche bene, non sono anche stanco. Sono felicissimo anche perché la mia prima gara della carriera l'ho fatta con Remo, abbiamo fatto l'assoluto a Lucca. L'ultima gara della mia carriera dovrebbe essere questa, abbiamo fatto di nuovo l'assoluto, quindi sono contentissimo. La première lì che j'ai organisé, il a gagné mon ex-pilote avec un ami, Giorgio Frassi, avec lequel je travaillais. Et alors, quand j'ai mis le drapeau de l'arrivée, pour moi, ça a été une émotion. En 1989, il y a un autre Valdôtain qui lutte pour la victoire. C'est l'Aostois Roberto Bettanin, qui avec une Delta 8 soupapes se place devant le Lombard Rocco Peduzzi, qui dispose d'une version plus moderne à 16 soupapes. Bettanin peut réussir, mais un peu avant le sommet du col San Carlo, il doit dire adieu à ses rêves de victoire. La 19esima edizione del Rally della Valle d'Aosta Seven Sun è stata vinta da Rocco Peduzzi e Luca Ronzoni, i quali, dopo un appassionante inseguimento, sono riusciti proprio nelle ultime prove speciali a superare il valdostano Roberto Bettanin in gara con Paola Ramella. Al termine della corsa il vantaggio di Peduzzi su Bettanin è stato di 21 secondi. Purtroppo nella prova speciale del Colle San Carlo Bettanin era vittima di un piccolo incidente meccanico, sufficiente però per compromettere l'assetto della vettura che non riusciva più ad assicurare al pilota le condizioni ideali di guida. Il sorpasso di Peduzzi avveniva alla penultima prova speciale, poi in quella conclusiva. Al vincitore del Valle d'Aosta bastava controllare la corsa degli avversari. J'ai touché au col San Carlo e j'ai eu un problème à l'avant de la voiture e l'assistance n'est pas réussi à le résolver. Et je suis allé comme ça, j'ai continué comme ça avec la voiture qui n'était pas au 100%. E je suis arrivé second. En 1990, le rallye change de date et est organisé au printemps. Les organisateurs se donnent un mal fou parce qu'ils ne s'arrêtent jamais de travailler de novembre à mars. Le piémontais Pier Giorgio Deila remporte le rallye et le premier Valdôtain sera Guido Rossé. En 1992, Roberto Bettanin est à nouveau en lice pour la victoire. Il trouve cependant sur sa route Enrico Bertone et une Delta plus moderne que la sienne. Encore une fois, il doit se contenter de la seconde place. Fabrizio Tabaton revient en Valle d'Aoste en 1993 et remporte le rallye pour la troisième fois. Ce sont les années où le Valle d'Aoste est relancé. La course est en programme au début de mai et tente pas mal de monde. Les organisateurs doivent ainsi avoir recours au tirage au sort parce que les inscrits sont trop nombreux. On a eu des années très, très positives au niveau des participants parce qu'il y avait aussi 170 concurrents. On avait quelques années aussi tiré au sort. On n'avait pas de problème d'argent. On a eu aussi le championnat suisse qui nous a apporté pas une augmentation au niveau économique, mais de qualité aussi des grands pilotes comme Bourri, Roux et d'autres. Ensuite commence l'ère de Renato Travaglia de Trent, qui remporte 3 victoires consécutives. Le Valle d'Aoste descend de catégorie et fait partie du championnat italien de litres.
En 1995, 1996 et 1997, le pilote du Trentino remporte l'épreuve. Les années 2000 voient le retour des voitures 4x4 World Rally Car. Le spectacle redevient fantastique. Le rallye change d'organisateur et Giorgio Caputo prend la place d'Ettore Viérin. En 2004, la course commence à compter pour le trophée rallye Asfalto, la qualification actuelle. Est l'année de la tragédie. La Punto de Francesco Pozzi et Emanuele Curto quittent la route dans l'épreuve spéciale du col Saint-Pantaléon dans une descente et va heurter l'unique construction présente dans la zone. Le choc est très violent. La voiture demeure intacte, mais les pilotes succombent à cause de lésions internes. Elvis Chantre et Maurizio Goy partent tout de suite après l'équipage piémonté et arrivent sur le lieu de l'accident à peine après le crash. Sempre già avevo l'equipaggio che l'aula si dà da una prova e appunto me l'hai detto che comunque la mia macchina è bene, gli orelli è bene, se ho contena e ho scelto il gomme giusto. E invece se la mente è cica perché se trova pas bene, la cica sbaglia il gomme. Però lì comunque è un ex campione di rally. No? E lì mi partisce dove mi partecipa alle macchine davanti. No? Mi fio la mia prova, ne ho circa troppo lì perché avevo le gomme intermedie e lì è abbastanza asciutto. No? Il posto è abbastanza asciutto, il posto ci capibile. Quando si è arrivato sul posto della SIDA, inizia a comprare tutto asciutto che lì è una SIDA grave. Dia. Anche perché della SIDA non avevo già mai visto. No? Si rendiamo conto tutto subito, di fatti addirittura lo derivo con se mi concentro si arrivava abbastanza tranquillo. No? Mi immaginavo già che lì ha capito. Le rallye s'arrête. La course est suspendue et la classification gelée. C'est la tragédie en direct. La macchina è scivolata, è slittata, ma non ci sono segni di gomma che tende ad andare in questa direzione. Sull'esterno della carreggiata di questa curva destra ha proseguito la corsa parallelamente alla strada e 50 metri dopo ha impattato contro il fabbricato di un garage in muratura costruito in blocchi di cemento. Pour moi, je l'ai vécu comme la perte de frère. Je suis resté là tout proche d'eux. Après une demi-heure après l'accident jusqu'au soir et puis du matin suivant jusqu'au soir. Et pour moi, ça a été très lourd et je l'ai vécu avec Giorgio ce moment-là. Je me souviens qu'on a fait, on le sait, c'est avec quelquefois je pense, on a vécu un moment difficile tous les deux. Mena ya ozakunile sia Pozzi che Curto. Va a una gara di Micio de Leu, praticamente de Donlo 2004, la squadra di me è lì della Leu zona e ne ho fino a gara di Micio de Leu. Douleur e respect. Le monde des rallyes s'arrête. Le Valais d'Aoste aussi. Pendant plus d'un an. Parce que l'édition suivante sera organisée seulement en novembre 2006. Félix Chéré remporte pour la seconde fois le rallye, un succès qui lui garantit aussi le trophée Rallye Asphalto. Entre-temps, le rallye a changé d'organisateur. C'est Giorgio Caputo qui est à la tête du staff. En 2009, Elvis Chantre, le nouveau phénomène des courses de rallye Val d'Autène, se présente au départ avec une 206 WRC.
en mesure dans ses mains de pouvoir pointer sur la victoire. De Don Lodumele nu, n'en cerciu d'organiser lo Val d'Usta, a una machina per poter lo gagner. Senza che ne imparo a fare, prendo una macchina di rigenerazione, perché questa è troppo, e quindi ne fai prendere una macchina di capiviglia. Però se hai un tè che lì è una buona macchina, gli tiene un odore come lei fa, e soprattutto con la squadra gli interessa a fare di pubblicità per far vedere che la sua macchina gli azienda, quindi non viene incontro a quello pre. La course part en montée avec Chantre, qui, descendu de la C2-R2, doit s'adapter en vitesse aux prestations d'une WRC. La baga pigrama était qui n'aime pas prou la machine, donc je suis parti en gara sans la proue. Et de fait, la partenza était chica difficile parce que n'ayau à peine playa le mes douan en machine à peine, qui est la C2-R2. E dunque non c'è una difesa grossa. Però siamo partiti da la prima prova, che è la San Carlo, che è una prova comunque a un bramento di salita. E non finisce in tempo, perché non c'è più, mi sembra, la seconda. Dunque siamo contenti, no? E siamo anche che noi, plan planando durante la gara, possiamo lì a migliorare il nostro tema. E ne fai le tupei perché di la seconda ne c'è più già la metà di seconda e di la trecima siamo arrivati a fare un secondo a decimi dallo premier. Tout se décide dans la première épreuve spéciale du second jour de compétition, Saint-Marcel. Lì sei anche che déjà un cerchi di fare la différence perché nella prova che le resta come ne avrei un vrai tsunami di rally, no? Un semion cicacue, l'asfalto rotto, ben dedito, meccia di dissante, dunque se possiamo fare la differenza, secondo me. E dunque non cerco di non concentrare bene, per poter fare un'azienda prova lì, non cerco le gomme che secondo me possiamo lì bene. Siamo partiti, meno cerchiamo di paesaggerie, ma di cerchi di essere precisi per non fare errori in questa prova, che è anche che lì è la prova più importante di tutto il rally, che si può fare la differenza. E i PCT lo zoo aprì, che ne ho già messi, i sono zone della prova, io più o meno li ho ammettati, più come c'era di sente. Io quando sono passato sui piedi, c'era un ritardo di 4 secondi. Però la baga incroyable è che quando sono arrivato alla fine della prova, ne ho guadagnato praticamente 12 secondi. Dunque, sorti di questa prova, c'era un tè che il nostro avversario psicologicamente l'avrebbe patito da matto questa baga in piedi, perché comunque c'è più 12 secondi di una prova, è veramente tanto. La course est dans les mains de Chantre. Felicere et sa Xara sont sur les dents. Le Valdotin négocie son avantage avec la tactique subtile du champion. Et au second passage de Saint-Marcel, il attaque à nouveau, remporte l'épreuve et termine le rallye. Durant les transferts, les gens applaudissent le passage de la voiture des deux Valdotins. La baga pizzenta qui l'a colpito depuis de sta gara, lei tu vero le zic na ye un trasferimento. Quando arrivavamo verso la fine della gara, sembrava di essere una gara di biciclette, che tu avevi tutte le zide sul bordo di Zemmern, le zide alla finestra, i balconi che ti salivano e ti incitano. Non ci sono anche detti alla fine, il rally della Val d'Usta ha la sua importanza per tutta la popolazione e che sei un certo ben orgoglioso di questi risultati di un Valdotin che arrivato a gagnare la Val d'Usta. Cela semble fini. Mais il n'en est pas ainsi. À la dernière épreuve, un imprévu attend Chantre et Derain. Quand on fait l'inversion d'Amon et Marese, les qui a poussé la brode de transmission de la machine. De fait, Igor a dit que l'aide à Yuya le cahier de notte, convinto que ça rien à ritourner, non? Parce qu'il y a un combo à monter ici durant l'attaque de la discesa. Et bien, il y a des tracachettes pas, à l'insiste qu'il y a plus de plans, il y a beaucoup, il y a forcément pas rien.
soprattutto perché li pena le rettilinee lunghe, te va sia 180 all'aua, 190 all'aua. La trasmissione buisce adesso, dunque, non siamo sia 100 G, 120 per P. E non è un po' di perdita anche lì, no? Giusto più bella di sente, non sbagliamo sempre se, tutto ciò che abbiamo. E invece la rubia. Dunque, lei te in gara che non è troppo lunga dall'inizio alla fine, e però ne raccoglie tanto, veramente tanto. A Saint Vincent, c'è la grande fête. Après 21 ans, un équipage valdôtain, Chantre et Igor Derain, remporte la Vallée d'Aoste. Tous les amis sont venus ici le palco, l'antapuno pelé, l'anfi vraiment un'azienda baga. E penso che questa baga me la rappare l'Europa tutta la via. Veramente un'azienda soddisfazione per tutte le valdôtain, soprattutto realisti. Chantre a couru avec le même numéro, le 5, qui fut celui de Celesia et Vierin en 1985. Déjà remercie encore Ettore et Vierin, parce que comunque, quand tu as pris l'ordre de partance, la voulino se montre le numéro 5, qui à la fin est le numéro qui l'a gagné quand l'a gagné. Et sur la fin, bien plaisir, parce qu'elle a dit mon trum que lui tenait encore lui. Particolarmente di avere un equipaggio attorno a Val d'Otain che li si gagna l'Orelli di Micio. C'est le début d'une saison triomphale qui portera Chantre, premier pilote Val d'Otain, à réussir à remporter le trophée rallye asfalto 2009. Non è dimostrato comunque lo nostro potenziale anche alla nostra squadra. Sala che non permette di cure perché comunque non si è deso contratto a questa squadra. E le tutta la squadra che paio comunque le gare che non fien fu della Val d'Aosta, anche perché se non sarebbe praticamente impossibile arrivare a correre. No? Dunque lo risultato la colpì anche la nostra squadra e grazie anche al fatto che la gara che non abbiamo fatto, che non so già due anni di campionato europeo, gli è pale bene perché la macchina gli ho gattesso, gli ho gattuso l'alternatore. Abbiamo lo point plan del nostro campionato e zero point dell'altro getto. E noi abbiamo in condizione di fare d'altra gara sempre a guida di WRC del nostro campionato e di avere la prima metà dell'anno se saremmo in grado di ganare il campionato saremmo avanti, se no saremmo in ritorno. Invece abbiamo fatto una bellissima season, non ganiamo il campionato, addirittura non ganiamo la guida due gare d'anticipo. Tra l'altro, da 11 anni ero voglio dire con la Xara WRC, che è la macchina della Citroën che la gagna bene con lo campionato del mondo. Au cours des années successives 2010 e 2011, c'est la lutte entre Felice Re e Luca Pedersoli. On assiste au retour en course de Roberto Bettanin. Le vieux lion remonte sur une voiture de course après 15 ans. Le talent du pilote aostois ne s'est pas érodé. Bettanin remporte pour la septième fois la Coupe Baselli réservée aux meilleurs pilotes valdôtains. La chose la plus difficile, c'est se remettre en discussion après 15 ans sans avoir fait plus de compétitions. Ça, c'est très difficile. J'ai eu le courage de faire ça et je suis très content pour les résultats. Les voitures changent, les rallyes changent. Deux mondes différents. J'ai trouvé une grande différence, surtout les voitures, l'ambiance, les personnes, l'organisation, tout différent. Mais tous les deux, très belle expérience. Il y a beaucoup de différences entre les voitures d'une fois et les voitures actuelles. Une fois, les voitures c'était très rapide sur les droits et plus lente dans les virages. Maintenant, les voitures vont moins dans les droits, mais très fort dans les virages et ont des freins très puissants. Il y a une grande différence sur la conduite. J'ai dû adapter ma conduite sur les nouvelles voitures. Au cours de l'été 2011, Giorgio Caputo, après avoir organisé la 41e édition du rallye, décède d'un mal incurable. Le monde de l'automobile perd un homme et un organisateur de valeur exceptionnel. Dans les années 1990,
ce fut Ettore Viérin qui avait rappelé au service Caputo, qui avait déjà collaboré à l'organisation au temps de Ciccio Rossi et Primo Grosso. Il est venu avec grand enthousiasme, et pour cette raison qui, après les années 2000, quand j'ai quitté, il a pris, lui, toutes les responsabilités et s'est occupé de tout, lui, avec grande passion, grande compétence. Et je me souviens tous les jours du fait qu'il n'est plus là et que j'ai perdu un grand ami et qui c'était pour moi aussi comme un frère, un oncle, un grand-père, disons. Et ce ne sera pas facile aussi de trouver, ben l'ami on l'a perdu, mais aussi un organisateur qui a surtout la présence quotidienne, méticuleuse, maniacale, disons, pour ce travail, que c'était pour eux un travail. Le Valais d'Aoste conserve encore aujourd'hui la qualification pour le trophée au rallye asphalte. Au dire des pilotes, l'épreuve la plus belle est celle de Saint-Marcel. Stricte, sélective, une véritable épreuve de rallye. Les épreuves du passé, restées dans le cœur des vieilles gloires, sont celles d'Alain et Pila. Le Valdôtain qui a cumulé le plus de titres est Remo Celesia, qui a remporté 9 coupes Baselli, réservées aux meilleurs pilotes du cru. Roberto Bettanin, 7. Roberto Nale et Fulvio Calvetti, 3 chacun. Giuseppe Blanc a remporté 5 fois la Coupe Zilio, dédiée au meilleur navigateur valdôtain.